Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la troisième partie du secret de la map D-Machine de Cold War Zombie. Alors pour réaliser la troisième étape du secret, vous allez devoir avoir les 4 améliorations de l'arme spéciale. Et vous aurez bien sûr besoin de faire l'étape 1 et l'étape 2. Donc si vous ne savez pas comment faire tout ça, j'ai mis une playlist en description avec tous les tutos de D-Machine. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour la quatrième étape, vous allez devoir utiliser chaque amélioration de l'arme spéciale pour tirer sur des piliers métalliques comme je le fais dans la vidéo. Donc quand vous tirez sur un pilier métallique et que le pilier commence à monter, ça veut dire que vous avez tiré sur le bon pilier. Dès que vous avez trouvé le bon pilier, vous allez devoir changer d'amélioration et tirer sur le deuxième pilier, puis sur le troisième pilier et puis sur le quatrième pilier comme vous pouvez le voir dans le gameplay de toute façon. Quand ceci est fait, vous allez devoir rentrer dans l'éther noir et retourner à la station médicale là où vous avez tiré sur des piliers pour justement interagir avec des fantômes. Donc vous vous rendez exactement où je suis dans le gameplay et ensuite vous interagissez avec l'anomalie et là vous allez voir deux fantômes commencer à parler. Ce que vous devez faire c'est d'attendre la fin de la conversation. Ensuite quand vous reviendrez à la normale, vous devrez récupérer la clé d'éther noir. Cette clé va vous permettre d'ouvrir le tank qui est au spawn. Donc retournez au spawn et interagissez avec le tank. Donc insistez si jamais ça ne fonctionne pas. Moi j'ai dû interagir 3 fois avec le tank avant que le zombie sorte du tank. Quand le zombie est sorti du tank, il vous faut impérativement des grenades Samtex pour lui coller dessus et le tuer. Et ensuite il vous faudra une deuxième grenade Samtex pour le lancer sur la porte du char comme vous pouvez le voir dans le gameplay. À ce moment là le char va commencer à tirer et en fait il va tirer sur une cloche. Cette cloche, vous allez devoir aller la récupérer au site du crash et ensuite vous allez devoir l'amener jusqu'à la station médicale pour la placer dans le générateur. Et voilà qui termine la troisième étape du secret D-Machine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.